Eh bien, salut à tous les amis. Aujourd'hui, les gars, on se retrouve voilà pour la suite de ma carrière avec l'Olympique de Marseille, comme d'habitude, les amis. Et aujourd'hui, les gars, c'est un épisode assez particulier puisque, comme je vais vous le montrer, voilà, les gars, c'est le dernier épisode, tout simplement. Parce que voilà, les gars, donc dans cet épisode, voilà, donc je vais jouer Metz, Lyon et Hambourg. Voilà, donc la finale d'Europa League. Et la finale aussi de Coupe Nationale. Voilà, donc 4 matchs les gars dans cet épisode. Et ensuite on fera un petit bilan ensemble des quelques minutes sur la saison. Et voilà les gars, donc écoutez, avant ces matchs de Coupe, donc on aura un match face à Metz à l'extérieur et un match contre Lyon. Et donc les gars, écoutez, puisqu'on arrive dans le dernier épisode, je voudrais simplement vous demander les amis, ben voilà, si vous avez aimé cette saison, de penser juste à mettre un petit j'aime, voilà, simplement pour un petit peu me dire, voilà, si vous avez kiffé ou pas, un petit j'aime, et si vous avez le temps, un petit commentaire, voilà, les gars, mais vraiment, ben, me le signifier si vous avez passé un bon moment sur cette saison, est-ce que vous attendez un petit peu de la saison prochaine, et du coup, ben, les gars, écoutez, on va sans plus attendre, ben, commencer donc ben, cet épisode, voilà, par le match face à Metz. Donc, on est à un point de Lyon, à 2 journées de la fin, donc pour l'instant, on est bien parti pour gagner le titre. Donc les gars, je vais mettre l'équipe 2, puisqu'elle est en forme. Puisque le match entre Lyon est dans une semaine, je peux me permettre de mettre un petit peu des bons joueurs quand même. Donc voilà, je vais mettre Cabella. Je vais le mettre en pointe, comme il a pu le faire quand Gomis s'était blessé. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Parce que Rabillard, disons que voilà, c'est pas le joueur avec lequel j'arrive le mieux à jouer. Je le trouve un petit peu trop lent, donc voilà. Et sinon, bah écoutez, on va pas aller chercher d'autres choses, puisque de toute façon les autres joueurs sont trop fatigués. Donc en espérant les amis, bah voilà, que cet épisode se passe bien pour nous. Parce que là c'est vraiment le dernier quoi. C'est vraiment le dernier de la saison. Pas le dernier tout court, hein. Je referai une saison l'an prochain, évidemment. Mais voilà, c'est le dernier de la saison. Du coup, écoutez, on va lancer le match. En espérant bah, qu'on ne se fasse pas piéger par Metz, comme on a pu le faire la saison dernière. Et voilà les gars, donc écoutez, on se retrouve directement mais pour les meilleurs moments du match face au FC Metz. C'est parti. Allez les gars, on a une touche très intéressante, voilà. Donc ça, on joue vers Maxime Lopez qui joue vers Nkunku. On voit vraiment les gars que Metz joue très bas, hein. C'était prévisible. Allez Mameiri, la frappe de Mameiri qui malheureusement les gars est sorti par le gardien. C'est Mori qui était au Gazolec Ajaccio il y a quelques années. Allez, on va essayer de bien la mettre. Vers Touré malheureusement qui s'est fait un petit peu bousculer, c'est dommage. Et attention, attention derrière les gars parce qu'il y a Diallo qui va sûrement récupérer le ballon. Et voilà, qui arrive un petit peu à passer Mameiri, mais qui joue derrière. On sent une équipe de Metz, les gars, qui a pas forcément envie d'attaquer. Hein. Allez, Raoui, les gars, qui a bien vu Cabella, l'appel de Cabella. Vers Quaresma, malheureusement, un petit peu trop tard. Voilà, Quaresma qui est pas venu repiquer au centre. Et Gonzalo Rodriguez qui fait une mauvaise relance de la tête, qui profite à Metz. En plus, il a du mal. Hein. On sent que c'est plus le Gonzalo Rodriguez d'il y a 2 ans, les gars. Il est beaucoup, beaucoup vieilli, c'est dommage. Après, vous inquiétez pas, on a quand même du lourd derrière. Et Nkunku, voilà, les gars qui récupèrent comme à son habitude des ballons. Allez, Raoui, on sait qu'il est rapide, il peut faire des différences. Allez, Raoui vers Nkunku. Nkunku vers Mameiri. Mameiri qui est fauché, pas de faute. Pas de faute, les gars, du côté de l'arbitre, c'est dommage. On aurait peut-être pu avoir un bon coup franc. Nyagnon derrière qui est bien revenu défendre. Pour l'instant, les gars, on a le point du nul. J'aimerais bien quand même arracher les 3 points, ce serait important. Voilà, pour éviter que le match contre Lyon, le dernier match, soit totalement décisif. Allez, Cabella, les gars, il doit montrer qu'il est présent. Il doit montrer qu'il est présent quand je fais appel à lui. Allez, Cabella vers Quaresma. Ok, essaye de jouer vers Raoui. Quaresma, la frappe de Quaresma qui nous envoie pour l'instant. Les gars, qui pour l'instant, mais écoutez, nous offre le titre de champion. D'après mes calculs, pour l'instant, les gars. Bon, ça dépend du score de Lyon, évidemment. Mais pour l'instant, les gars, on conserve notre première place grâce à Quaresma. Qui, écoutez, on va pas se mentir, les gars, a été placardisé toute l'année. Hein. Il a joué toute l'année en réserve, pratiquement. Donc là, ça fait plaisir. Voilà, les gars, de voir que bah, il tire un petit peu son épingle du jeu. L'an prochain, les gars, il sera pas là. Hein. Il sera à la retraite, Quaresma. Mais en tout cas, voilà, cette passe de Cabella, un très bel enroulé qu'on revoit un petit peu. Voilà, un très bel enroulé, le gardien qui peut rien faire. Ça fait plaisir, car pour l'instant, les gars, on est encore champion. Et attention, attention à Nguette qui va centrer. Et heureusement, les gars, Sakai. Ouf, Sakai qui a un petit peu raté sa relance. Hein. Heureusement, il y avait Touré qui était là au cas où. Allez, Quaresma, voilà, c'est bien joué vers Touré. Touré, c'est bien joué vers Tolisso. Vers Raoui. Oh là là, c'est bien joué. Que c'est bien joué. Allez, Tolisso. Tolisso, tout en explosivité. Tolisso vers Quaresma. Quaresma qui dribble un petit peu. Quaresma toujours. Quaresma, la frappe de Quaresma et le doublé. Le doublé magnifique pour Quaresma, les gars, au terme d'une action fabuleuse.
C'est Quaresma, les gars, qui est en train de faire un match, mais magnifique, le placardisé Quaresma, les gars, qui est en train de faire un match. J'ai l'impression que c'est son meilleur match depuis que je l'ai signé, les gars, je vous jure, hein, c'est impressionnant. Il répond aux attentes à un mois de la fin de sa carrière. C'est un truc de fou, ce joueur. Enfin bref, les gars, une très belle action. Voilà, collectivement, entre Touré, Tolisso, Nkunku et Kabela, Raoui. Tout le monde a participé. Ça fait plaisir, les gars. Car surtout pour l'instant, on gagne 2 à 0. Allez, c'est bien joué, Rabiard. Rabiard vers Tolisso. Tolisso, le petit ballon de Tolisso, malheureusement, le gars qui est sorti par Mori. Très très bonne sortie. Voilà, les gars, de l'ancien du Gazolec. Mais écoutez, pour l'instant, on a encore le ballon. Allez, vers Rabiard de la tête, vers Sakai. Oh, c'est dommage. C'est dommage, les gars, Sakai qui a pas réussi à marquer. Et derrière, les gars, voilà, on sent des Messins en difficulté. Le match va sûrement pas tarder à finir, les gars. Allez, Rodriguez. Rodriguez vers Quaresma. Quaresma, malheureusement, les gars, qui a pas réussi à s'orienter vers les cages, peut-être pour un triplé, hein, qui sait. Enfin bref, les amis, voilà, grâce à un doublé de Quaresma, on emporte ce match. Très très important, les gars, pour la fin de championnat, on va pas se mentir. Je pense qu'on peut désigner Quaresma homme du match, parce qu'honnêtement, il sera un très grand match. Il sera un très grand match, j'avais très très peur, j'avais vraiment du mal à jouer. Et Quaresma, les gars, voilà, qui a su libérer la partie. Voilà, dans l'ensemble, on a quand même dominé, hein. 7 tirs à 1, ça fait plaisir de voir que l'équipe B est présente. Lyon a fait le nul, en plus, contre Angers, donc voilà, c'est très bien pour nous, ça. On va voir selon les points, les gars, si on est champion, à une journée avant la fin, ce serait quand même pas mal, hein. Ce serait quand même pas mal, et on n'est pas champion. On n'est pas champion, parce que même, on va voir, hein, on va voir, parce que si on perd contre Lyon, Lyon reviendra au même point que nous. Au niveau de la différence de but, ouais, faudrait quand même que Lyon gagne 5 à 0, hein. Ce qui est quand même 4, 5, 6, ouais, c'est ça. Faudrait quand même que Lyon gagne 5 à 0, 5 ou 6 à 0. Donc écoutez les gars, on n'est pas encore champion, mathématiquement, mais dans la tête on l'est déjà. Dans la tête on l'est déjà, je pense que je pourrais célébrer vraiment le titre bah, après le match, voilà. Une fois qu'on sera vraiment vraiment champion. Et écoutez les gars, je vais aller faire la compo pour le match face à Lyon et on se retrouve tout de suite. Ça y est les gars, voilà, donc j'ai fait ma composition donc pour le match face à Lyon. Comme vous le savez, voilà, donc Depay, Aubameyang et Shaqiri sont blessés, donc c'est Nkoudou, André Silva et Kabela qui se chargeront de l'attaque. Voilà, ils auront au milieu de Isco pour les aider offensivement, voilà, la construction du jeu. Ensuite les gars, c'est du classique, hein, Tolisso, Yacoub Guerrero, Benatia, Manquillo, Lafond. Il y a un nouveau, enfin un revenant qu'on n'a plus vu depuis très longtemps, celui-ci. C'est tout simplement, les gars, voilà, Hachim Mastour, que je vais vous montrer qui est là, voilà, sur le banc. Il est encore un peu blessé, le jeune Marocain, mais voilà, c'est un banc assez spécial, hein, parce que voilà, là d'habitude, là il y a Silva, là il y a Nkoudou, là il y a Kabela, mais les trois sont titulaires, au détriment, donc, comme je l'ai dit, de Shaqiri, Aubameyang et Depay. En espérant qu'ils fassent le travail, ils n'ont pas eu trop de problèmes jusqu'à présent, donc écoutez, j'espère que ça va le faire, cette fois-ci. C'est un des matchs pour eux, c'est le match, même si on est déjà entre guillemets champion, hein, parce que je pense pas qu'on va perdre 6-0. C'est quand même un match qui symbolise la saison, les gars. Donc voilà, on est parti, on se retrouve directement pour les meilleurs moments. Allez les gars, Nkoudou. Nkoudou face à Mokhtar Diakabi. Nkoudou, on va essayer de passer en vitesse. Allez Nkoudou, voilà les gars, comme d'habitude sur son côté qui donne le tournis à tout le monde. Allez Isco, Isco, l'enroulé d'Isco. Là là la claquette de fou, les gars, d'Anthony Lopez. Bien joué à lui. Honnêtement, les gars, voilà, ça fait quelque chose, hein, quand même. Voilà, on voit Isco, hein, très belle frappe et Lopez d'une claquette qui la sort. Allez, il y a peut-être moyen de marquer sur le corner vers Tolisso. C'est sauvé encore une fois par Anthony Lopez. Là, attention à Fekir, les gars, face à son ancien copain Tolisso. Tolisso qui récupère tranquillement le ballon face à Fekir. Ouf, gros tacle de Fekir là. Par contre, c'est un tacle un petit peu de rage. On a l'impression de Fekir, voilà, qui a dû un petit peu s'énerver de se faire prendre le ballon par Tolisso. Et pas de carton, dit Monsieur Turpin, Monsieur l'arbitre, pardon. Enfin bref, c'est dommage. Voilà, je pense quand même qu'il est très très en retard, c'est mérité un jaune. Mais écoutez, on va continuer à jouer. Allez, Tolisso. Tolisso qui est fauché, les gars, par Gonalon, mais pas de faute, dit l'arbitre. Allez, Isco. Isco vers... Oh, Kabela, c'est dommage. C'est dommage, les gars, il y a une petite interception de Ndiaye, je crois. Et Oziakou derrière qui perd le ballon. Les gars, écoutez, on est à un quart d'heure de la fin. Et je vais faire des changements, parce que voilà, on a le match contre Saint-Étienne dans 2 jours. Donc je vais faire rentrer... Quaresma qui a été énorme au dernier match, c'est mérité pour lui, ainsi que Tolisso, ainsi que Sparagna, voilà, histoire que Benatia se repose et soit en forme pour le prochain match. Allez Quaresma, Quaresma peut-être pour un troisième but en 3 matchs, Quaresma, et c'est parfait les gars pour Ricardo Quaresma qui est ben, l'homme de l'épisode.
l'homme de l'épisode, les gars, pour l'instant, Quaresma, vraiment, bah, qui nous a un petit peu, on va dire, donné le titre, entre guillemets, contre Metz. Et là, Quaresma, les gars, bah, qui nous donne officiellement, mathématiquement, le titre contre Lyon. On va, voilà, les gars, c'est une passe bah, de Cabella. Encore une fois, les gars, Cabella et Quaresma qui ont fait très mal cet épisode. Et Quaresma qui finit tranquillement. 3 buts en Ligue 1 pour lui sur les deux derniers matchs, les matchs les plus importants. Il n'aura jamais été là, sauf quand on a besoin de lui. Eh bien, ça y est, les amis, voilà, nous sommes champions bah, de Ligue 1. Voilà, c'est parfait, vraiment, les amis. Première place, ça fait longtemps que je la voulais. Voilà, pour ceux qui me suivent depuis le début, les gars, bah, j'étais passé vraiment à rien l'an dernier. À la 36e journée, j'étais premier, à la 38e, j'étais 4e. Là, cette année, bah, notamment grâce à Quaresma, on a réussi. Et là, franchement, ça fait trop plaisir. Hein. J'aurais aimé, les gars, voir Aubameyang, plutôt Depay, Aubameyang et Shaqiri ce soir-là. Mais écoutez, les remplaçants ont fait le travail, ça c'est indéniable, hein, voilà, à travers Cabella, André Silva, Shaqiri, Quaresma. C'est Oziakoub, les gars, voilà, ce soir-là, le capitaine qui aura été très très bon au milieu de terrain, Oziakoub, cette année, vraiment, les gars. C'est mérité, voilà, les gars, vraiment, pour tous ces joueurs, voilà, champion de France, Ligue 1, avec le nom de tous les gagnants sur le trophée. J'ai fait rentrer Touré aussi, les gars, parce que c'est son dernier match, voilà, avant sa fin d'aventure avec nous. Je ne l'ai pas prolongé, parce que j'aurais un Marté, mais voilà. On est champions, les amis, écoutez, voilà, on va vivre ça tranquillement. Je suis super heureux, honnêtement, les gars, pour les joueurs, voilà, on voit la foule qui est en délire, on voit Oziakoub qui est super content, même les remplaçants sont contents. Je pense que Nkoudou aussi doit être très content, il nous a rejoint bah, cet hiver, et il est déjà champion avec nous. Ça fait super plaisir, vraiment, les gars, tous les joueurs sont aux anges. Là, je pense qu'ils sont vraiment en confiance pour cette fin de championnat. Voilà, on les voit courir avec le titre. Vraiment, c'est magnifique. C'est magnifique, on voit les photographes, tout ça. Je crois que j'ai jamais vu mes joueurs autant heureux. Je vais pas vous mentir, les gars. Il y a le petit Mastour qui est revenu pour le dernier match, voilà. Donc, écoutez, les gars. Ben, malgré un très grand Anthony Lopez ce soir, l'OM a gagné. Voilà, donc nous sommes officiellement ben, champions de Ligue 1. Et c'est magnifique. C'est magnifique, les gars, c'est la consécration vraiment de tous ces investissements, toutes ces heures passées, voilà, à faire des matchs, tout ça. Je suis très, très content. Et du coup, les gars, bah, écoutez, on va se diriger vers la finale de Europa League cette année. Voilà, conférence de presse, je pense bah, qu'on peut vanter notre équipe, voilà, 45 millions. Ça fait plaisir, hein, voilà, c'est 45 millions, c'est énormissime. On va faire des entraînements. Les gars, voilà, simplement. Et je vous retrouve directement, ben voilà, pour la composition du match face à Hambourg. Ça y est, les amis, voilà, donc nous sommes arrivés ben, au moment crucial, voilà, les gars, où je pense que c'est le match le plus important depuis le début de ma carrière en septembre dernier. La finale d'Europa League face à Hambourg. L'équipe est relativement en forme. Ils sont pas au maximum, mais ils sont tous dans le vert, voilà, donc c'est parfait. Le problème est que notre capitaine Mehdi Benatia ben, n'est pas disponible, voilà, contre une accumulation de cartons rouges. Ce qui fait que j'hésite un petit peu. J'hésite entre Sparania et Rodriguez, les gars, voilà, Rodriguez. Mais pour son dernier match avec nous, son dernier match, voilà, il va partir à la retraite. Je sais pas, honnêtement, je sais pas, ça pourrait être une récompense hein, pour lui. Mais après, est-ce que c'est pas risqué de ne pas mettre Sparania et de mettre Rodriguez qui a 37 de vitesse? Donc ce que je vais faire, les gars, voilà, c'est que je vais mettre Sparania, je vais mettre Rodriguez sur le banc. Et si le score nous le permet, on le fera rentrer, voilà, pour une petite ovation. Du coup, les amis, sans perdre de temps, on se retrouve directement à White Hart Lane, le stade de Tottenham. Voilà, la finale va se jouer là-bas pour tout simplement le match le plus important de ma carrière. Nous voilà donc au rendez-vous, les amis, voilà, au rendez-vous de l'année, j'ai envie de vous dire, au rendez-vous de toute ma carrière, parce que c'est le match, voilà, qui va symboliser un petit peu cette année. Comme vous voyez, on a quand même réussi à éliminer Manchester, Krasnodar et Monaco, ce qui fait que je pense bah, que c'est mérité, voilà, qu'on soit là, on a vu, hein, voilà, le trophée. Les supporters sont présents en masse pour les deux équipes, hein, y a des supporters marseillais, des supporters allemands. Malheureusement, bah, mon trio d'attaque habituel n'est pas là ce soir, voilà. Est-ce que les remplaçants qui ont su faire le travail en Ligue 1 arriveront à le faire en finale d'Europa League, je l'espère. Ça va pas être facile, les gars, faut pas sous-estimer Hambourg. Donc moi, je vous dis qu'on se retrouve tout simplement pour les meilleurs moments du match. Allez, Isco. Isco, c'est dommage. C'est dommage pour Isco. Et allez, Oziakoub. Oziakoub vers Tolisso. Tolisso. Ouh, Tolisso qui est bousculé, mais Tolisso qui reste debout. Ouais, on sent des Allemands qui sont quand même là physiquement. Nous aussi, on y est, mais eux aussi, ils ont rendez-vous. Allez, Oziakoub.
Rosia coupe vers Silva. Silva. Silva vers Rosia coupe. Rosia coupe. Non, c'est une blague. C'est une blague, les gars. Rosia coupe qui vient de manquer un ballon, mais immanquable. C'est. Ah là, je suis choqué. Là, je suis choqué, les gars. C'est le genre de ballon qu'il faut pas manquer en finale. Allez, Rosia coupe. Essaye de te rattraper. Non, il rate son geste technique. C'est dommage. Et attention derrière à la contre-attaque. Et heureusement, Manquillo qui est là pour mettre les pieds. Allez, attention au corner de Kostic encore une fois, les gars. Hambourg qui a déjà son deuxième ou troisième corner, je sais plus. C'est frappé au premier et c'est justement enlevé par Manquillo. Et c'est encore un corner. Encore un corner, les gars. C'est encore une fois Kostic qui va le frapper. Et cette fois-ci, ouf, Alban Lafont. Alban Lafont, les gars, qui a raté un petit peu sa sortie. Il a à peine réussi à dévier le ballon. Allez, attention derrière. C'est encore une fois Kostic. Hein. C'est Kostic qui frappe tous les corners de tous les côtés. Attention à la tête et cette fois-ci, il réussit à la bloquer. Attention à Lilovic, la balle en retrait. Et attention, là c'est chaud. Là c'est chaud pour nous. J'y crois pas. Non, 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 c'est une blague. C'est une blague. Ça se joue à rien. Ça se joue à rien. Acerbi qui fait la faute qu'il ne fallait pas faire. Acerbi qui vient faire la faute évidente qu'il ne fallait pas faire en ce début de deuxième mi-temps. Sauf qu'il reste pas beaucoup de temps après. Enfin, un petit peu quand même. Allez, on va essayer de l'arrêter. C'est une blague. C'est une blague. Je suis dessus. J'ai un gardien à 86 de général. C'est une blague, non mais sérieusement. Oh là là, mais j'ai pas de chance. Hein. Où est-ce qu'il lui arrive le ballon avant la fin là? Il passe dessous ou... Non, non, il l'a mis dans ses propres buts, écoutez. Mais but, but d'Hambourg. 49e minute, là faut vraiment se dépêcher. Allez Isco, Isco les gars, il doit montrer que c'est un grand joueur. Vers Nkoudou, Nkoudou qui enroule et c'est au fond. C'est au fond les gars, grâce à Georges-Kevin Nkoudou, encore une fois buteur et qui nous redonne de l'espoir dans ce match. Et bon Dieu que j'en avais besoin. Bon Dieu que j'en avais besoin les gars, c'est impressionnant. C'est un grand bol d'air là les gars parce que franchement, j'avais du mal. Et là voilà, on voit Isco qui montre que c'est un grand joueur, qui trouve magnifiquement Nkoudou et Nkoudou à la finition les gars qui voilà là, il me régale. Il me régale le petit Nkoudou. Voilà les gars, ça c'est un petit peu une réponse de sa part pour tous ceux qui étaient anxieux vis-à-vis de son transfert. Il a répondu sur le terrain. Allez Isco, Isco, l'enroulé d'Isco qui finit au fond des filets. C'est magnifique les gars, 10 minutes de la fin Isco sur un éclair de génie. Mais qui vient tromper tout le monde, honnêtement, même moi là j'étais pas prêt les gars, je vais pas vous le cacher. Isco qui vient un petit peu narguer les supporters allemands qui sont totalement déçus. Et il est incroyable. Il est incroyable les gars, notre numéro 10 espagnol qui franchement... Pff, mon Dieu, mais que... Oh là là, c'était dur. C'était dur les gars, voilà Isco qui a pris le brassard de capitaine après la sortie d'Osiacoupe. Il a pris ses responsabilités. Il offre la passe décisive à Nkoudou. Là, d'un magnifique enroulé, il piétine vraiment Adler. Ça fait plaisir, voilà les gars. Pour l'instant, on a le trophée. Et attention, attention à la dernière offensive d'Hambourg. Le centre. Et voilà, Manquillo les gars, bah, écoutez, qui nous donne de l'air. Et l'arbitre qui ne veut pas arrêter le match. Attention, Guerrero qui vient tacler. C'est pas fini, les dernières minutes. Sparagna qui se met devant et c'est Alban Lafont. C'est Alban Lafont, voilà les gars du haut de ses 20 ans, mais qui nous sauve d'une remarquable frappe. Adler est monté. C'est compliqué les gars, c'est surtout très très tendu. Allez, attention. Attention. Dessus! Non! C'est pas possible! Ah, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou comme j'ai pas de chance. C'est un truc de fou comme j'ai pas de chance, quoi. Un but comme ça à la dernière minute, c'est. Voilà, c'est, je sais pas, il y a une absence de marquage, Mamiri qui se tourne, écoutez, on va partir en prolongation sûrement, mais franchement, ça me rend fou. Allez, Quaresma, Quaresma, il y a faute, bien sûr qu'il y a faute, faut arrêter un moment. Il y a un moment, il faut arrêter de faire des fautes, quoi, hein. Ils en ont énormément fait dans ce match. Ça, c'est carton jaune, hein. C'est carton jaune, écoutez, donc, l'arbitre qui nous accorde le coup franc, je vais le frapper avec... Je sais pas, j'hésite un petit peu entre Quaresma et Guerrero, je pense Guerrero quand même, hein. Guerrero, j'en ai déjà mis un avec lui en plus. Non, c'est plus pour un droitier. C'est plus pour un droitier, donc ça va être Quaresma, les gars. Allez, je vais la mettre là. Deux barres, j'enroule bien. Oh non, ça tape la barre. Ça tape la barre pour Quaresma, c'est dommage. Je pense qu'on aura encore d'autres occasions, donc on va essayer de rester concentré. Allez, vers Nkoudou. Nkoudou, la frappe du droit d'Nkoudou et c'est au fond. C'est au fond, les gars, doublé d'Nkoudou en cette demi-finale sur ce but. Mais en plus, magnifique. En plus, magnifique but, les gars. Encore une fois, c'est Isco qui lui fait la passe D, il me semble, hein. Ouais, c'est Silva qui l'a donné à Isco, qui l'a donné à Nkoudou. Et Nkoudou, là, les gars, il a fusillé. Là, il a vraiment fusillé Nkoudou. Nkoudou qui, pour l'instant, les gars, nous offre le titre. C'est un truc de fou. Nkoudou, vraiment, les gars, il est en train de faire mais une fin de saison mais phénoménale. C'est exceptionnel. Enfin, je pense qu'on peut vraiment le remercier. Allez, les gars, voilà le petit corner de cette fin de match. C'est Isco qui le frappe.
Isco au premier poteau, vers Silva, malheureusement. Attendez, c'est pas fini, Sparagna. Sparagna vers Silva. Silva, on va essayer de la donner à Quaresma. J'ai bien envie qu'il marque un petit but, les gars, pour son dernier match. Et c'est compliqué. Et c'est fini. C'est fini, voilà, les amis, on gagne. Ben, l'Europa League, au bout d'une saison vraiment qui aura été longue. Qui aura été longue, les gars, on aura gagné la Ligue 1, l'Europa League. On va vivre ensemble, les gars, la remise du trophée, parce que franchement, c'est beau. Franchement, c'est beau. Touré n'est pas rentré. Du coup, c'est dommage, voilà, puisque lui aussi, c'est son dernier match avec nous. On peut remercier Quaresma, qui aura vraiment été très, très important, les gars, dans cet épisode. Je pense que, ben, même s'il n'est pas à la passe D, dans cet épisode, il aura été très, très bon à son entrée. Très, très bon contre Lyon, très, très bon contre Metz. Lui aussi mérite le trophée tout autant que les autres, même s'il a joué beaucoup moins que les autres et qu'il a beaucoup baissé. Isco, énormissime, énormissime dans ce match, vraiment, les gars. Ben, il est sur tous les buts. Il fait deux passes D, il met un but. Donc vraiment, les gars, Isco qui a magnifiquement bien porté le brassard de capitaine en l'absence de Benatia et d'Ozia Coupe. La saison prochaine, évidemment, les gars, qu'on retrouvera ben, Aubameyang, Depay, Shaqiri et Ozia Coupe. À moins qu'il y en ait qui partent, hein, mais bon, pour l'instant, c'est pas trop prévu. J'ai pas encore réfléchi. Enfin bref, Isco qui soulève la Coupe d'Europe, les gars. Enfin, l'Europa League, hein, évidemment. C'est mérité, en espérant pourquoi pas l'an prochain soulever la Ligue des Champions, les gars. Ce serait magnifique. Mais voilà, les gars, pour l'instant, on a savouré l'Europa League. C'est trop beau. C'est trop beau, les gars. C'est amplement mérité, je pense, en plus. Donc, écoutez, les amis, moi, personnellement, je vais pas être capable, je crois, de jouer le match contre Saint-Etienne. Hein. Ça va être difficile. Hein. Ça va vraiment être difficile, les amis. J'espère que vous m'en voudrez pas, honnêtement, mais ça va être compliqué. Je pense que je vais simuler le match contre Saint-Etienne. Parce que là, franchement, avec les prolongations et tout, les gars, c'était difficile. Il faut qu'on fasse le bilan de tout ça après. Donc, écoutez, j'espère que vous m'en voudrez pas, les gars. Parce que là, franchement, on aura vécu un épisode très, 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 très intensif. Très, très intensif. Sûrement l'épisode le plus intensif de toute la carrière. Du coup, écoutez, les amis, ce qu'on va faire, ben, c'est qu'on va faire une petite pause. Voilà, après qu'on soit revenu dans les menus. Voilà, Olympique de Marseille gagnant de l'Europa League. C'est magnifique. En espérant que ça se reproduise en vrai, évidemment. Et du coup, bah écoutez, franchement, les gars, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à me dire ce que vous avez pensé de mon parcours cette année. Voilà, évidemment, ça me fera super plaisir. On est à 93 de notes, c'est énormissime. Alors, bah, encore une fois, des sous, hein, voilà. Bon, Ozia Coupe qui sera pas là cet été. C'est un petit peu dommage, mais c'est la vie. Du coup, les gars, je fais la compo pour le match face à Saint-Etienne. Je le simule, enfin, on le simulera ensemble, évidemment. Et voilà, les gars, on sera simplement présents, mais... Voilà, pour le bilan. Allez, à de suite. Donc ça y est, les amis, voilà. Donc j'ai fait ma composition ben, pour le match face à Saint-Etienne. J'ai pris un grand bol d'air aussi. Donc c'est celle-ci. Hein, voilà, j'ai laissé l'équipe une, même si elle est fatiguée. J'ai juste mis Yaya Touré et Benatia, qui n'ont pas joué le dernier match, puisqu'ils sont un petit peu en forme. Et avant ça, les gars, je voulais donc juste prolonger ben, Sakai, voilà. Je prolongerai pas Rodriguez et Touré, parce qu'ils ont tous les deux 34 et 35 ans. Par contre, Sakai est encore assez jeune. Il a 27-28 ans, je crois. Hein, donc voilà, écoutez, je peux me permettre de prolonger. Puisque de toute façon, ben, l'an prochain, je n'aurai pas ben, ce budget-là. Quoi, hein, voilà. Donc on va le mettre titulaire, on va lui mettre un beau salaire. Voilà. On va le mettre joueur de... Ouais, il joue jamais, donc joueur de rotation d'effectifs, on va pas lui mentir. Mais écoutez les gars, au moins Sakai, c'est toujours ça. Hein. S'il y a un blessé à droite ou à gauche, il peut dépanner. Puis honnêtement, c'est un joueur que j'adore, voilà, dans la vraie vie. Donc écoutez, je l'ai prolongé. On va simuler ce petit match. Voilà, donc écoutez, c'est quand même l'équipe 1, même si elle est fatiguée. Saint-Etienne qui reste sur 3 victoires, voilà, donc écoutez, ça va pas être facile non plus, et on gagne quand même les gars grâce à Tolisso et Nkoudou encore une fois, c'est impressionnant ce jeune. Enfin bref, on aura gagné donc les gars la Coupe Nationale, la Ligue 1 et l'Europa League, donc là franchement, une très grosse saison, on est presque à 100, on est pratiquement à 100 les gars de notes de popularité, hein, si je peux appeler ça comme ça, Dizion qui passe à 80, ce qui veut dire que... Et ma petite pépite à gauche, à droite de Didion, qui est réellement en train de monter, les gars. Il était à 57 il y a 3 semaines, ou il y a 4 semaines. Là, il est presque à 65, donc c'est énorme. Je pourrais peut-être vendre Didion une vingtaine de millions. Hein, parce que voilà, les joueurs très jeunes du centre, moi j'adore. Et voilà, donc petit chèque. Mankyo qui sera pas là au premier match de la saison prochaine, puisqu'il a pris en rouge. Et du coup, bah, écoutez les amis, on va faire passer un petit peu les jours. Puis on finira sur un petit rapport d'équipe. On a beaucoup de mails. On a énormément de mails. Alors, ouais, ça c'était des défenseurs gauche, les gars, que j'avais pisté. Alors, Azoro est content. Cabella aussi. Merci pour la... Mais pour le moment, je veux pas. Donc, ok. Sakai n'est pas sûr de prolonger.
C'est pas grave, écoutez, on va voir si on peut lui remettre un contrat, si c'est possible. Ouais, c'est possible, les gars, donc écoutez, on va essayer de lui mettre un joli salaire, voilà. Puisqu'il le mérite, de toute façon. Alors, contrat de joueur à expiration. Ouais, bah, il me semble que ça caille. Bah, il y a peut-être moyen encore de le blinder, hein. On va essayer 75 000. Voilà, et écoutez, s'il ne veut pas. Oula, pourquoi j'ai autant de budget, salaire d'un coup? C'est bizarre. C'est bizarre parce que généralement le chèque je le reçois que en fin de saison. Bon mais écoutez les gars, on a beaucoup de salaire, ça fait plaisir. On va donc réessayer de prolonger notre petit Hiroki Sakai, voilà. Ouf ouais, je vais aller largement en voir, je peux peut-être même avoir essayer d'avoir 25-30 millions hein, grâce à Didion. Franchement il va nous être bien au prochain mercato. Hein. Il sent que l'équipe ne joue pas à son niveau. Bon, écoutez, le rapport d'équipe ne me propose même pas de prolonger Sakai. Il se sent peut-être pas bien. Hein. Ça arrive, c'est compréhensible. Et du coup, ben nous, les gars, voilà, on va arrêter un petit peu de forcer avec Sakai. Hein. C'est mieux pour lui qu'il parte. On va respecter son choix. Ah, Sakai a changé d'avis. Je sais pas. Ne parte pas trop. Ne pensez pas que vous pouvez plus compter sur moi. Mais il n'y a plus de match, Sakai. Il n'y a plus de match. Donc, ça sert à rien de proposer tes services. Enfin bref les gars, on continue les entraînements, j'espère que ça vous dérange pas trop, voilà, je sais que cette fin de saison est assez longue. Et du coup, écoutez les amis, voilà, on va arrêter un petit peu de se faire patienter, on se retrouve directement, voilà, pour faire le bilan complet. Donc les amis, voilà, donc nous sommes dans le rapport d'équipe, c'est la nouvelle saison, voilà les gars, comme je vais vous le montrer un petit peu à l'écran, je sais pas si on peut voir la date. Non, on peut pas voir la date, si voilà, nous sommes en juillet 2019 les gars, donc voilà, nouvelle saison qui arrive. Je vais rien vous dévoiler de plus que le rapport d'équipe. Voilà, donc écoutez, Alban Lafont, 20 ans, 85 de général, c'est énormissime, évidemment. Thomas Didion, 80 de général, 23 ans. Il va partir, puisque j'ai une très grosse pépite, voilà, 65 de général, 16 ans, qui fait 1m95. Il a déjà des bonnes stats, honnêtement, donc voilà. Lui, il sera remplaçant d'Alban Lafont. Didion, j'espère qu'il va nous ramener bien 25 millions d'euros. Il y a Manquillo, voilà, qui est présent. Il y a Mameri aussi, très jeune pépite qu'il faut que je prolonge, d'ailleurs. Mehdi Benatia qui est présent, Kurzuma qui vient d'arriver gratuitement, enfin pré-contrat. Donc voilà, lui vraiment les gars, c'est énormissime le petit Kurzuma les gars, franchement c'est du lourd. Ensuite, Stéphane Sparania, évidemment, voilà, toujours présent. Acerbi aussi qui est encore là. Le petit Nianion, voilà, donc on a beaucoup de défenseurs centraux, hein, faudra peut-être en vendre. Raphaël Guerrero qui est là aussi, voilà, toujours présent. Hernandez qui va sûrement partir, puisque voilà, il a, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, hein. Daniel Amarté, qui lui aussi est arrivé en fin de contrat, donc ça c'est vraiment le remplaçant de luxe au milieu de terrain. Shaqiri qui est là aussi, la petite pépite du centre, Santoro, Maxime Lopez qui est là aussi, Tolisso, oh, il y a le Barça qui le veulent, je suis désolé, mais Tolisso ne partira pas. Nkunku qui est là aussi, voilà. Oziakup, lui aussi qui est toujours présent, Memphis Depay évidemment qui est présent, Nkoudou aussi, le petit Iscome, Hachim Mastour, Rémi Cabella qui est là aussi. André Silva qui lui aussi sort une saison de folie. Il y a Azoro, il y a Rabillard, il y a bien évidemment Pierre-Emerick Aubameyang, les amis. Voilà le rapport d'équipe pour la prochaine saison. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quoi faire, les gars. J'attends vraiment tous vos avis, tout ce qui vous passe par la tête au niveau mercato. Dites-le-moi dans les commentaires. Voilà, les amis, écoutez, on vient de vivre une saison vraiment fabuleuse. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à liker vraiment si vous avez kiffé cette saison. C'est très important pour moi de le savoir. On se retrouve très bientôt, les amis, pour la suite. Voilà les gars, franchement, le bilan de la saison, il est parfait. J'espère que la saison prochaine sera encore meilleure en Champions League cette fois-ci. On se retrouve bientôt les gars, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et moi, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Bye tout le monde.